Bienvenue, encore une fois, à l'Assemblée chrétienne Espoir et vie. Et encore une fois, on va passer un bon temps à regarder sa parole et que chaque personne qui l'entend puisse être touchée, puisse grandir, puisse être édifiée, puisse être nourrie par cette parole ce matin. Le titre du message, c'est « Prendre part à l'héritage ». Prendre part à l'héritage. La semaine passée, on a parlé du combat spirituel depuis plusieurs semaines et ce matin, c'est un peu la conclusion de cette série de messages ou ce passage d'Éphésiens 6 de l'apôtre Paul qui nous parle du combat spirituel. Et la semaine passée, on a vu spécialement l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. On a pris l'exemple de Jésus qui était au désert où il a été tenté par le diable pendant toutes ces 40 jours. Lui, le Fils de Dieu, celui qui était rempli du Saint-Esprit, qui était conduit dans ce désert, a dû utiliser l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu contre son ennemi, comme on a besoin de le faire. Et ces paroles étaient dans Matthieu 4:4 qui disait « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu dans Luc chapitre 4, verset 12. Au verset 8, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul dans Luc 4 également. Mais comme on l'a vu, la parole devenait puissante, devenait une arme offensive parce qu'elle faisait partie de la vie de Jésus. Il mettait ses passages en pratique, ça faisait partie de sa vie. Elle conduisait la vie de Jésus, bien plus que de citer des passages ou des versets. Et ces paroles, c'est la même chose pour nous. Elle devient puissante lorsqu'on la met en pratique, lorsqu'elle fait partie de nos vies. Elle devient une arme offensive lorsqu'on l'applique à nos vies, lorsqu'on ne se nourrit pas de pain seulement, mais on se nourrit de ce qui sort de la bouche de Dieu. Lorsqu'on vit dans une vie qui ne tente pas le Seigneur par notre façon de vivre, de conformité à ce monde qui s'éloigne de Dieu, non, on veut servir et honorer Dieu par nos vies. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul, et bien sûr, ça devient une puissante arme contre l'ennemi lorsque c'est ce qu'on applique à nos vies. Mais aussi, Jésus est la parole de Dieu, la parole faite chair, la parole puissante de Dieu. Jean 1 nous dit que la parole est Dieu, la parole, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, qui est une parole puissante, ça devient une arme offensive d'avoir Jésus, d'avoir le Fils de Dieu dans nos vies, d'avoir son Esprit en nous. Elle devient puissante quand on place notre foi en lui, lorsqu'on l'accepte, lorsqu'on le reçoit dans notre vie. Le jour où vous vous êtes converti, vous avez reçu cette parole puissante dans vos vies. Ça a fait toute la différence. Tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son nom, elle donne le pouvoir, la capacité de devenir un enfant de Dieu. La capacité de devenir une fille, un fils de Dieu. Prendre part à la nature divine, prendre part aux capacités de Dieu dans sa vie, au travers sa vie. Tout un privilège, toute une puissance lorsqu'on y pense, lorsqu'on le vit. Mais le recevoir, c'est plus que de connaître des choses sur lui. Le recevoir, c'est pas simplement connaître des choses sur Jésus, de sa venue, pourquoi il est venu, mais c'est mettre notre foi en lui. Notre foi dans le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui donne la vie au monde. Christ, croire au Christ, le Seigneur. As-tu reçu la parole de Dieu? As-tu cru dans cette parole? L'as-tu reçu dans ta vie? Plusieurs croient en Jésus. Plusieurs croient beaucoup de choses sur Jésus. Mais dans Jacques chapitre 2, au verset 19, ça nous dit, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, nous dit Jacques, parce que les démons aussi croient
croient en Jésus et ils tremblent. Mais ils sont loin d'être sauvés, mais un jugement les attend. Un jugement leur est réservé. Aujourd'hui, les gens peuvent croire. Au travers des années, on a vu des gens, on a rencontré des gens, on a même peut-être fait partie de ces gens qui croyaient en Jésus, mais sans l'avoir reçu dans nos vies, sans que Christ, la parole de Dieu, soit notre Seigneur, soit notre Sauveur, sans voir, sans entrer dans le royaume de Dieu, sans devenir cet enfant de Dieu, sans avoir cette puissance, cette capacité de devenir enfant de Dieu, un citoyen du royaume, sans prendre part à cette nature divine et aux capacités de notre Dieu. Et lorsqu'on pense devoir y entrer dans le royaume de Dieu, bien sûr, on pense à Jésus qui enseignait Nicodème, un homme religieux qui croyait en Dieu, dans Jean chapitre 3, verset 3, où il disait « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne reçoit pas le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il ne voit pas, il ne comprend pas, puis il ne peut même pas comprendre. Le voile demeure. Et si vous êtes converti, vous comprenez ce qu'on veut dire par le voile demeure. Verset 5, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît d'eau et d'esprit. Les gens sans la nouvelle naissance ne comprennent pas, ne nous comprennent pas. Ils ne peuvent même pas comprendre, ne peuvent même pas voir. Comme nous avant, si vous vous souvenez. On savait des choses sur Dieu, on pouvait croire en Dieu, mais on n'était pas entré, on n'avait pas la conviction d'être entré, de voir le royaume de Dieu. Paul dit dans 2e épître aux Corinthiens, chapitre 4, au verset 3, « Si notre évangile est encore voilé, elle est voilée pour ceux qui périssent, pour les incrédules, ceux qui n'ont pas cru, ceux qui n'ont pas reçu la parole de Dieu, les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, même si ces gens-là souvent se pensent corrects. » Même si ces gens-là pensent que c'est nous qui sommes dans l'erreur, c'est nous qui nous sommes fait séduire. Séduire par la religion, manipuler par des prédicateurs qui en veulent à notre argent. Les gens ont des pensées de toutes sortes parce qu'ils ne voient pas, ils ne comprennent pas, ils ne sont pas entrés dans le royaume de Dieu. Comment ils pourraient comprendre les choses et voir les choses de Dieu dans nos vies? Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne visse pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Voyez-vous briller l'Évangile? Voyez-vous briller l'Évangile de la gloire de Christ? Oui, on le voit dans nos vies. Aujourd'hui, on le voit lorsqu'on s'est converti, lorsqu'on est converti, l'Esprit de Dieu habite en nous. Lorsque le voile est ôté, on voit briller l'Évangile de Christ dans nos vies, au travers de nos vies, dans l'Église, au travers des frères dans l'Église aussi. Dieu dit, verset 6, « La lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. » Merci Seigneur. Merci Seigneur qui le fait briller la lumière dans nos cœurs. Avez-vous cette conviction? Voyez-vous l'Évangile briller dans vos cœurs? L'avez-vous vu briller? Au sein de mes ténèbres, la lumière est venue. Il a éclairé mes ténèbres. Alléluia. Il a fait resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. La parole vivante traduit ce verset 6 en disant « Il a illuminé nos cœurs afin que nous puissions à notre tour refléter la lumière de la connaissance de Dieu et faire resplendir sur les autres la gloire divine qui rayonne sur le visage de Jésus-Christ. » Nous portons ce trésor, nous dit Paul. Nous portons ce trésor d'une valeur inestimable dans des vases de terre ou des vases d'argile, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Comme enfants de Dieu, sommes-nous conscients de ce trésor? Sommes-nous conscients de ce trésor qui est en nous? Cette vie, cette parole puissante de Dieu. Sommes-nous conscients de ce trésor qui nous est réservé aussi dans les cieux? Après cette
courte vie. Sommes-nous conscients du trésor qui nous est réservé comme enfants de Dieu? Avez-vous cette assurance de recevoir, de vivre? Avez-vous cette assurance, cette conviction d'avoir reçu ce trésor? Pas seulement d'être libéré du jugement à venir, même si c'est déjà extraordinaire d'être libéré du jugement de nos péchés, parce que Christ le subit à notre place. Merci de ce privilège. Mais avez-vous l'assurance de ce qui nous est réservé dans les cieux, la gloire qui nous est réservée dans les cieux? Avez-vous l'assurance du salut qui est promis? De la grandeur de ce salut, de la valeur de ce salut, de ce trésor? As-tu mis sur ta tête le casque du salut? Comme Paul le dit, une arme. Comme une arme, une partie de l'armure. As-tu sur ta tête, as-tu pris le casque du salut? La richesse de cet héritage. C'est ce qui nous motive, ça devient une arme qui nous motive contre les combats de la vie chrétienne. Ça nous aide à persévérer au-delà de cette vie. Dieu nous réserve un trésor. Ça nous motive, ça nous garde, ça produit la persévérance en nous. Ça nous donne une bonne vision de la vie chrétienne, une bonne vision de la vie, de notre avenir, de notre passage sur terre. Est-ce que tu as en vue ce trésor? Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu as une conviction de ce trésor? Le monde passe, nous dit l'apôtre Jean dans sa première lettre. Chapitre 2, verset 17. Le monde passe, va passer, tout ce qu'on voit va passer, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour un temps éternellement, demeure éternellement. Je ne sais pas si on le réalise, les chrétiens, les enfants de Dieu le réalisent. Jésus a donné sa vie, a payé de sa vie pour qu'on puisse vivre éternellement avec lui dans la gloire. Ce n'est pas rien. On rend de grâce à Dieu pour la vie au début d'entrer dans sa présence, dans cette vie, mais on va rentrer avec lui dans la gloire pour l'éternité. Il a payé le prix de sa vie. Il a souffert la croix. Il est allé jusqu'au bout pour qu'on puisse avoir ce trésor. Il est venu souffrir, nous conduire, nous guider pour qu'on puisse avoir cette vie éternelle. Il est devenu le chemin pour nous, il nous a ouvert la voie. Quel privilège qu'on peut avoir à cause de l'œuvre de la croix. Toute une espérance. Hébreux 6, verset 19 nous dit que cette espérance, nous la possédons. J'espère que vous la possédez comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où les hommes étaient incapables d'entrer dans cette présence sainte de Dieu, Jésus nous a ouvert le chemin pour qu'on puisse aller au-delà du voile et vivre sa présence. Et notre espérance va au-delà. Comme une ancre de l'âme sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Merci Seigneur. Si vous cherchiez quelque chose pour rendre, une raison pour rendre grâce à Dieu, remerciez Dieu, vous en avez toute une là. Jésus, alléluia, la parole de Dieu nous a donné ce casque du salut. Et si on a cette assurance, si on a ce casque du salut, l'ennemi de nos âmes va avoir de la difficulté à nous arrêter, à nous démotiver, à nous empêcher de persévérer, d'avancer, de voir clair. L'ennemi de nos âmes ne va pas nous arrêter facilement si nos yeux sont fixés sur ce trésor, sur ce que Dieu nous a donné. Jésus, la parole de Dieu, elle nous dit qu'on va vivre éternellement. Il nous promet
tellement de bien-être, de gloire avec lui. L'Apocalypse, chapitre 2, où on a les lettres aux églises et des promesses que Jésus fait à ceux qui vaincront. Celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Il ne mourra jamais, il va vivre éternellement. La vie parfaite avec lui. Celui qui vaincra, verset 11, n'aura pas à souffrir la seconde mort, d'être séparé de Dieu, de vivre son éternité loin de la présence de Dieu. Verset 26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Quel privilège on a comme enfant de Dieu. Je donnerai autorité sur les nations. Apocalypse chapitre 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu aussi, ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Jésus va être là, il va dire, « Voici, Denis, j'ai payé le prix pour qu'il puisse entrer et vivre éternellement dans la gloire avec moi. » Et on pourrait mettre chacun notre nom. « Voici, voici, j'ai payé le prix, Père, pour lui, qu'il entre dans la gloire, qu'il soit béni pour l'éternité. » Et le Père, tout ce que le Père va voir, c'est, il va nous voir au travers le sacrifice de Christ, il va nous voir parfaits, blancs comme neige, revêtus d'un vêtement blanc. Et la bénédiction va être pour nous. À celui qui vaincra, verset 21, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Ce trésor dans des vases de terre, on ne mérite rien, mais il nous donne tout par gloire. Il a payé le prix de sa vie. Il a souffert la croix pour nous afin de nous donner cette vie pour toujours. Est-ce qu'on est conscient de ce trésor? Est-ce qu'on réalise, lorsqu'on marche chaque jour, ce qui nous attend devant nous, ce qui nous est réservé comme enfants de Dieu dans les cieux? Et les récompenses qui sont nombreuses aussi. Si on a cette conviction du salut, de ce trésor, ça va être toute une arme, comme nous dit Paul, face aux ruses de l'ennemi, face à cette vie qui cherche à nous séduire, à nous détourner. Ça va être tout un guide dans notre vie. Nos yeux sont fixés sur la rémunération qui nous est réservée. Ça va changer notre raison de vivre. Ça va devenir notre raison de vivre. Et ça devrait être notre raison de vivre. Ça va changer notre vision du monde, notre façon de voir le monde qui nous entoure, le monde qui passe, comme on le dit, qu'on l'a lu, avec toutes les gens et cette convoitise. Ça va changer notre façon de penser, de raisonner. Ça va guider nos choix dans la vie. Ça va guider nos choix dans la vie. Ça va nous donner une motivation de livrer le bon combat. Une motivation de ne pas se nourrir de pain seulement, comme on l'a vu, mais de ce qui sort de la bouche de Dieu. On va se nourrir, on va s'approcher de Dieu, on va se nourrir de Dieu. Ça va nous motiver pour vivre d'une façon qui ne tente pas Dieu non plus. Bientôt, on va voir le Seigneur. Bientôt, on va vivre avec lui. La vie est courte. Mais si on a cette vision, notre casque du salut, on va vivre différemment et on ne vivra pas en tentant Dieu par nos vies, notre mode de vie. On va adorer Dieu. On va le servir lui seul. Est-ce que ce n'est pas une motivation pour le servir? Lui qui a donné sa vie pour nous. Comme Jésus face aux tentations dans le désert. Le servir lui. Malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré même les critiques, malgré les plaintes parfois, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer dans l'œuvre de Dieu. Lorsqu'on sert le Seigneur, vous savez, il y a des choses qui arrivent et l'ennemi peut venir nous séduire ou nous attaquer ou nous décourager ou chercher à le faire. Mais si notre vision est l'éternité, si notre vision est de servir Christ, ça va être une motivation qui est complètement différente. Ça va nous donner la volonté de continuer d'avancer parce qu'on va le faire pour lui seul.
faire toutes choses comme pour le Seigneur, et non pour les gens qui nous entourent ou les hommes, mais pour le Seigneur. Alléluia! Ça, c'est toute une motivation pour lui plaire, lui. Colossiens chapitre 3, verset 23, qui nous dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. » Pour qui? Comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez de qui? Du Seigneur, l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Honorez-le, lui. Faites toutes choses pour lui. Éphésiens 6, notre passage qui nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes. » Toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable qui voudrait qu'on abandonne, qu'on se décourage, parce que souvent ça ne marche pas comme on voudrait, ça ne fonctionne pas comme on voudrait, les choses n'arrivent pas comme on l'aurait souhaité. Prenez l'épée de l'esprit, comme on l'a vu la semaine passée, mais prenez, verset 17, aussi le casque du salut, l'espérance vivante du salut, des récompenses de la vie, du trésor que Dieu nous a donné par grâce. Alléluia! Ce casque du salut va nous donner des pensées justes, des raisonnements qui sont justes. Ça va conduire nos actions, ça va conduire notre service. Le casque. Et lorsque je faisais une recherche sur l'armure du chrétien et j'ai tapé sur Google « casque, armure », ça m'a amené des casques complets qui protègent toute la tête avec le pour les yeux. C'est des casques complets. Je me disais, le casque protège même la vision. Et lorsqu'on a le casque du salut, ça protège notre vision des choses, notre vision de la vie, notre vision du ministère, notre vision de la vie chrétienne, notre vision de la vie en général. Le casque du salut. Prenez le casque du salut. Portez-le jusqu'au jour où Jésus va revenir ou jusqu'au jour où on va aller le rejoindre. C'est pour bientôt. Qui sait? Dieu sait. Dieu connaît toutes choses, mais nous dit de veiller, de se revêtir de toutes les âmes. Dans sa lettre aux Thessaloniciens, la première lettre au chapitre 5, Paul dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, qu'on vous écrive là-dessus, qu'on vous dise plus, frère. Mais vous devez avoir la conviction que ça va arriver. Vive avec la conviction que Jésus revient, que ça va arriver, que bientôt on va se retrouver devant lui. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Verset 2. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, enfants de Dieu, vous n'êtes pas dans les ténèbres, parce que la lumière a brillé dans nos cœurs, comme on le dit au tout début. La lumière a brillé dans nos cœurs et on a vu clair, le voile est ôté. Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur dans la nuit. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Merci Seigneur pour cette lumière, ce voile qui est ôté. Merci Seigneur. On dort point, verset 6. Ne dormons donc point. Ne sommeillons pas. Il ne faut pas s'assoupir comme les vierges folles, mais rester éveillés comme les vierges sages, attendant l'arrivée du Maître, que nos lampes soient remplies d'huile. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Soyons et restons éveillés, éclairés, lucides, la vision bien protégée. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayons revêtu la cuirasse de la foi, comme on a vu le bouclier de la foi, mais la cuirasse de la foi pour les traits enflammés du malin. La cuirasse de la charité ou de l'amour ayant pour casque,
casque l'espérance du salut. Toute une arme contre les ruses de l'ennemi, contre tout ce qui pourrait ou essaierait de nous détourner de ses voies. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, nous dit Paul au verset 9, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions ou que nous soyons déjà morts lorsqu'il va revenir, nous vivions ensemble avec lui. Êtes-vous conscient de ce trésor? C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement. Édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites et comme je le fais encore ce matin, une autre fois, parce que ce n'est pas la première fois qu'on parle des récompenses et du salut à venir. Le casque de l'espérance du salut, une espérance ferme, une espérance vivante, l'assurance du retour de Jésus. Ça fait toute la différence dans notre vie, notre marche quotidienne. On a besoin de vivre comme un serviteur qui attend le retour de son maître, que son maître revienne. De savoir ou d'avoir la conviction que bientôt il va revenir ou bientôt on va le rejoindre, qu'on va le voir face à face et réaliser tout ce qui va compter lorsqu'on va être avec lui. Qu'est-ce qui va compter vraiment lorsqu'on va se retrouver devant lui? Père, voici Denis. J'ai payé le prix pour lui. Qu'il puisse entrer dans la gloire avec moi. Avez-vous le goût de vous faire dire ça? J'y pense. Puis il me semble que je me vois à côté de Jésus et Jésus confessait mon nom devant son Père et devant les anges. Ou de l'entendre dire, comme on le voit dans la parole de Dieu, « Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai de plus grandes. » Matthieu 25, verset 21, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Le casque du salut. Avez-vous votre casque? Toute une arme. Le verset de la semaine passée, Hébreux 4, au verset 9, qui disait, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu. Car celui qui entre dans ce repos, le repos de Dieu, se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Mais au verset 11, il nous dit, « Forcez-vous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » On doit s'efforcer de s'en aller dans cette direction avec notre casque du salut, cette assurance que bientôt on va le voir. Et dans ce passage, il parle du peuple de Dieu qui s'est détourné en traversant vers la terre promise. Dieu les a délivrés, ils sont mis en marche dans le désert. Et il y avait un Dieu comme nous dans le désert, mais ils ont fait preuve de désobéissance à plusieurs occasions et ont même refusé d'entrer par manque de foi, rendu dans la terre promise. Mais le passage nous exhorte, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous exhorte à ne pas faire comme eux, à prendre exemple d'eux pour ne pas faire ce qu'ils ont fait, mais plutôt prendre le casque du salut, l'assurance du salut comme une arme et de rendre grâce à Dieu. J'aimais le temps de louange, les gens qui ont prié, qui rendaient grâce à Dieu pour les bienfaits, pour ses bontés, pour son salut. Colossiens 1, verset 12 nous dit « Rendez grâce à Dieu ». C'est un plaisir pour notre Dieu, ses enfants qui lui rendent grâce, qui reconnaissent ses bienfaits, ses bontés, reconnaissent l'œuvre de la croix, le sacrifice de Jésus, le pardon, le Saint-Esprit, ses dons. La richesse d'avoir un Dieu dans nos déserts. Merci Seigneur, rendons grâce à Dieu. Il nous a rendus capables, il nous rend capables, il nous donne la capacité pour toutes choses. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Merci Seigneur, rendez grâce à Dieu. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il a fait briller en nous la lumière qui nous gardait pour éclairer les ténèbres qui nous gardaient aveuglés, voilés. Il nous a délivrés du Dieu de ce siècle qui nous gardait aveuglés, qui avait aveuglé notre intelligence. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia! Nous portons ce trésor dans des vases
de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et je pense que je n'ai pas ce verset là. Je l'ai eu au début. Ça ne sera pas bien long. Ce matin, je termine avec un dernier passage qui nous dit dans Colossiens chapitre 3, verset 3. Paul nous dit, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, c'est sûr, rendez grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Mais maintenant, cherchez les choses d'en haut, nous dit Paul, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Nourrissez-vous de ce qui sort de la bouche de Dieu. Cherchez ce qui est vraiment important pour lui. La bénédiction est pour nous dans ce monde même, mais pas de la façon que les gens le conçoivent, mais comme Dieu nous montre de le chercher, nous montre ce qui est important, de chercher les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu, comme nous dit Paul, et s'affectionner aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre, de se nourrir de ce qui sort de la bouche de Dieu, de le servir lui, de l'adorer et l'honorer lui, car vous êtes mort avec Christ. Êtes-vous mort avec Christ? Êtes-vous passé par le baptême de mourir avec lui, d'être purifié de tous vos péchés, de tous vos manquements, d'être purifié par les eaux du baptême afin d'être relevé par la puissance du Saint-Esprit, de marcher en nouveauté de vie? Vous êtes mort et votre vie est cachée en Christ, en Dieu, avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quelques versets qui m'ont fait réfléchir cette semaine, mais qui m'ont fait du bien. En conclusion comme ça pour cette série sur le combat spirituel, et on a vu des aspects du combat spirituel qui ne sont pas toujours faciles, des choix à faire, des positions à prendre. Mais les bénéfices sont tellement grands avec lui. Je suis mort avec lui. Alléluia. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, votre vie, ma vie paraîtra, alors je paraîtrai aussi avec lui dans la gloire. Père, voici, j'ai payé le prix pour lui. Merci, Seigneur. Et dans ce temps dans lequel on vit, qu'on puisse garder notre casque du salut, pas le ranger dans un placard sur une tablette, mais que vraiment on puisse le garder et que ça soit notre motivation. Et je crois que plus les temps sont difficiles ou deviendront difficiles, je crois que c'est la seule motivation qu'on peut avoir de toute façon. Je pensais à des chrétiens qui étaient persécutés cette semaine. On pense à la Corée du Nord, comment c'est difficile d'être un chrétien né de nouveau, puis de prêcher, d'enseigner ou de vouloir se rassembler, de prier, d'étudier la parole de Dieu dans les pays communistes. C'est pas facile. Qu'est-ce qui est leur motivation? Le plaisir de la vie, l'abondance dans leur vie. Souvent, les gens sont en prison à souffrir pour leur foi, à être rejetés pour leur foi. Mais leur récompense, leur motivation, c'est ce trésor que Dieu leur donne, l'espérance du salut. Et ils vont paraître avec lui dans la gloire. Alléluia. On va prier en terminant. Et que l'Éternel puisse faire en sorte de nous donner une bonne vision ou de nous renouveler notre vision ou qu'on puisse la conserver, cette vision, cette bonne vision de la vie chrétienne. Alléluia. On va prier et les musiciens vont revenir. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, encore une fois, je veux, comme les passages le disaient, te rendre grâce, te remercier
Faire monter vers toi des actions de grâce, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes, pour le sacrifice de Jésus, le prix que tu as payé pour nos vies, afin de nous donner cette abondance spirituelle, cette paix de l'âme, cette assurance de la vie éternelle. Ce poids de nos péchés qui s'est retiré de nos épaules parce que tu l'as pris, Seigneur, à notre place sur la croix. Merci de ce privilège, de cette vie abondante ou éternelle qu'on a en toi. Je veux te donner toute l'honneur et la gloire, Seigneur, que tu puisses m'aider par ton Saint-Esprit à garder une vision claire de la vie chrétienne, même du ministère, Seigneur. Ô Éternel, on vit des temps qui ne sont pas faciles, Seigneur, mais tu es celui qui a vaincu le monde, celui qui nous donne toutes choses par grâce, qui nous soutient, ô Dieu, qui nous garde la tentation de vivre comme les gens qui s'égarent, ô Éternel, mais qu'on puisse réaliser qui tu es, le prix que tu as payé, Seigneur, afin de nous accorder cette vie, que ça devienne notre motivation, ça reste notre motivation, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, merci du privilège qu'on a d'avoir cette assurance de savoir quand on va entrer, tu vas confesser notre nom devant le Père et devant ses anges. Merci, Jésus, pour ton amour. Merci que ma vie est cachée en toi. Ô Éternel, que tu puisses toucher ton peuple et tes enfants ce matin. Que tu puisses rencontrer ceux qui sont par Internet, Seigneur, qui écoutent sur leur écran ce message. Que ta parole devienne vivante, que ta parole vienne les encourager, vienne les relever, Seigneur, au travers des difficultés. Vienne leur donner une vision juste de leur vie, de leur avenir, Seigneur. Qu'ils puissent reprendre joie et paix, Seigneur, et vraiment avoir la conviction et la motivation, Seigneur, qu'ils ont besoin pour continuer leur vie. En toi, Père de gloire, bénis ton peuple, bénis tes enfants, confirme ta parole encore une fois, ô Dieu, Père de gloire. Que celui qui ne te connaît pas aujourd'hui, qui ne saisit pas toute la richesse de ce message ou de ces passages, qu'il puisse naître de nouveau, que l'Esprit puisse aller entrer en lui, lui donner la capacité de devenir un enfant de Dieu afin de voir et d'entrer dans le royaume de Dieu. Ô Éternel, qu'il puisse renoncer à son péché, mais qu'il puisse croire que tu as payé le prix pour lui, croire que Jésus est mort pour ses péchés, qui n'a pas à mériter quoi que ce soit, mais que tu l'as fait pour lui, par grâce, ô Éternel, qu'il puisse simplement se repentir, reconnaître que tu es Dieu, que tu es saint, et que tu as pourvu ce sacrifice pour ses fautes. Père de gloire, c'est dans le nom de Jésus que je te prie, je te remercie pour l'œuvre que tu accomplis, Père. À toi soit la gloire. Merci, ô Dieu. Amen.
Je suis tranquille, car tu es là.